Et re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la suite. J'avais 2-3 trucs à faire pour le sanctuaire. Je sais pas si vous avez vu dans le prochain l'épisode précédent. Comment on a pris cher. On a pris cher avec ce démon venu. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ce culte où tu as la capacité de apparaître dans le monde des joueurs sous l'apparence comme il était en mode mauve violet comme ça. Et tu peux faire chier les joueurs, soit tu peux les aider, soit tu peux les taper, enfin... Ils sont considérés comme fous, en fait, ces gens-là. Oui, je voulais vendre. Vendre. Parce que j'ai des trucs que j'ai pas besoin. Comme des armes, bon, le personnage, je m'en fous. Épée brisée, on s'en tape. Bien que je crois qu'il y a un craft à faire avec à partir d'une épée brisée, je crois, un truc comme ça à faire. La grande hache. C'est pas mon truc, ça non plus c'est pas mon truc, ça c'est pas mon truc, le fouet non plus. Ah, j'aimerais bien avoir l'épée d'Astora quand même. Elle est plutôt puissante. Hein. Mais ça me fait chier de dépenser des points dans la... Dans la foi. En foi, ouais, j'ai quoi? J'ai 9. Ouais. Ce serait dommage. Ashen One. Après, j'aurais bien aimé avoir l'épée des chevaliers. Vous savez, les chevaliers qu'on avait croisés dans le premier niveau. Les chevaliers Lothric. Ils ont une épée aussi que tu peux looter sur eux, qui est plutôt pas mal. Alors, oui, on va parler au monsieur vu qu'on a... Ah bah oui. Mais il était là, non? Je pensais l'avoir libéré de la prison. Je suis pas allé rechercher? Ah merde. Bon, on va le chercher vite fait. Allez. On va aller chercher vite fait le prisonnier. Ouais, je pensais l'avoir libéré, moi. C'était au grand mur. Et à partir 10. Non. La tour. Ouais, ça doit être ça. C'est bizarre, je pensais vraiment l'avoir libéré. Je suis curieux. Parfois j'ai un peu de mal dans les trucs de Dark Souls, les quêtes, parfois je sais pas si je les fais bien ou si des trucs que j'ai oublié de faire, c'est... je sais pas. Je ne sais plus. Bon, comme ça peut-être on va essayer de se taper un peu de chevalier, comme ça peut-être qu'on aura la chance de trouver une épée. J'aimerais bien. Ah! Putain, t'as pas déconné toi, tu m'as pas oublié, je crois que tu m'en veux beaucoup. Ah, il m'a pas oublié ce monsieur, hein, putain. Vous êtes fous quoi. Ah, alors tu donnes quoi? L'arbalète des chevaliers. C'est intéressant, mais c'est pas ce que je voulais vraiment. Oh, le mec il m'a vu, c'est lui, je me rappelle. Je vais lui défoncer la gueule. Ah, deux en moins. Des couteaux de lancer. Ah bah c'est bien ça. C'est bien. C'est ce qu'on avait besoin. Et toi, tu te rappelles de moi? Hop là. Est-ce qu'on peut ouvrir ici maintenant? Non, c'est verrouillé. Ouais, c'est bien par là. Mais il me semblait vraiment l'avoir libéré. C'est bizarre. On va vérifier vite fait, parce que sinon ça va me perturber toute la journée, je ne saurais pas pourquoi. Du coup là, je me speed vite fait pour aller voir ça. Ah non, je l'avais même pas libéré. Désolé. D'accord. Voilà, en gros, ce personnage, quand tu le sauves, après, il te demande d'aller voir si tu peux aller sauver sa femme qui est restée dans le camp des morts vivants. Peut-être qu'on pourrait peut-être essayer de farmer un petit peu les chevaliers, tu vois. Les chevaliers de Lothric. On va essayer ça. Allez. On n'est pas pressé. Hein. Moi j'aimerais bien avoir une bonne épée quand même. Une bonne épée qui vaut le coup. Non, c'est pas par là. C'est par là. Voilà. Hop. Et on va aller voir si notre cher ami Albert est toujours disponible pour venir nous aider. Albert.
On va aller lui rendre une petite visite à monsieur Albert. Oh bah y'a un truc ici à ramasser. Une bombe incendiaire. Parfait. Je ne fais que passer. Ah il s'est même pas transformé. Ah si, ils se transforment. Aïe, je t'avais oublié toi. Raté. Je pense que lui il a une lance ou un truc comme ça. Non, on va y voir monsieur Albert. J'ai besoin d'aller le voir. Raté. Voilà, on se le termine. En plus ça nous fait un peu d'XP, hein. On n'est pas là pour se presser ou rusher le jeu, on est là pour assurer. Hein monsieur ? Ah ! Ah ! Après peut-être qu'on aurait pu taper monsieur le gros avec monsieur Albert aussi, mais bon. On va tenter de ramasser vite fait des petits trucs. Je suis pas sûr qu'il m'a vu. Une rapière, cool. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer, ne vous inquiétez pas. Toi, tu veux toujours m'avoir par derrière, salaud. Alors, Sir Albert, est-ce que vous êtes là? Non, vous êtes plus là, monsieur Albert. Oh, fuck. Dommage, j'aurais bien voulu que monsieur Albert soit là pour m'aider. Ouais, du coup, c'est un peu risqué, en fait, d'aller se taper contre tout ça. Peut-être que si je les attire un par un. Allez, viens, là, toi. Allez, viens. Non, non, non. Il attend son pote, il est pas bête. Hé hey. Bili bili, bili bili. Tu déconnes pas hein. Putain ils ont une l'endurance. Non non non. Ah meurs. Voilà, merci. Allez, on prend pas trop de risques, hein. J'essaie juste de les tuer un petit peu. Histoire d'avoir un petit peu d'expérience et peut-être d'avoir la chance de trouver un truc qui leur appartient. Allez, viens, viens. Je sais pas. Les mecs, c'est des portes qu'ils portent, hein. Un fragment de titanite, c'est pas mal ça. J'approuve. Donne-moi ton épée. Wouhou. T'es fou toi. Aïe. On prend pas de risque hein. Moi je bouffe toutes mes potions. Non, pas d'épée. Dommage. C'est pas grave. Bon. On a cette tosse du retour. Ah. Dommage, j'aurais bien voulu que monsieur Albert soit là. Bon, il y avait un feu là-bas aussi. Total déprime encore. Bon, après... C'est sûr que c'est chiant de revenir ici, mais bon, moi je suis pas contre avoir quelques points d'expérience supplémentaires aussi, hein, si ça peut me sauver la vie. Hein. Moi je ne dis pas non. Hop là. Allez, on tente encore un petit peu. Ça va être l'épisode bof bif bof, mais bon. Pas trop choix, hop là. Non. Là j'avais pas mis mon chrono. Alors, allez, c'est parti. On va se taper du chevalier.
On va essayer de casser sa garde pour voir. Ça marche un coup sur deux à chaque fois ce truc. Non, reprends ton truc, voilà. Vas-y, profites-en toi. J'aime bien leur faire bien mal au début comme ça. Wouah ! Oula, il déconne pas, il a voulu m'enchaîner. Allez ! Un fragment de titanite, bah c'est plutôt cool ça. Comme ça on va pouvoir améliorer nos armes. Hop. Pas de petit profit comme on dit. C'est dingue, quand il donne son coup de bouclier, ça te fait tout perdre. BUM. Quelqu'un derrière la porte. Pour Norbert. Non, il veut pas. Bon, ça fait du bien de farmer un petit peu. J'ai plus peur de vous. Je suis en temps, peut-être que j'avais peur, mais bon, faut rester méfiant quand même. Hein. Attention, Priam. Voilà. Puis ça m'entraîne. Ça m'entraîne à l'esquive, ça m'entraîne à plusieurs choses. Bon allez, on tente une dernière fois et si j'ai pas leur épée, bah je me barre, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Faut pas forcer le destin quand le destin veut pas. Allez, une petite dernière. Séance farming. Donc si vous passez cet épisode, je ne vous en voudrais pas du tout. Mais pas du tout. Raté. Voilà. La la la. Hey, imbécile. Viens là. Ah, il a peur cette fois, il vient pas. Ah si. Merde, je suis pas pris le bon chemin. Allez, viens, viens vite avec ton pote, arrive. Est-ce que ton pote nous a vu? Non, ça va. Ouh, je t'ai enchaîné comme un babouin là. Non, rien du tout. Radin. Il m'a pas touché en plus. Hein. Personne m'a touché depuis le début. Dis le mec qui va peut-être mourir maintenant, là tout de suite. Hein. J'peux. Putain, on reste à la porte là. Ah. Une armure, bon ça j'avais déjà, je peux en vendre une. Vous avez vu, on s'améliore, hein. On arrive à mieux les gérer. Aïe, moi j'ai rien dit. Aïe, bon j'ai rien dit, j'avoue, je suis fait que de la merde. Aïe. Ok, calme-toi, t'es le meilleur, ok. Je déconne. Voilà. Leur épée. Yeah. Je me casse. Putain, yes, on a leur épée. Mais je crois que c'est un peu... Je crois qu'elle a à peu près les mêmes stats que l'épée de... d'Astora. Sauf...
Sauf celle-ci, il faut de la foi, et celle-ci, il faut juste de la force. Non, il faut de la dextérité en plus. Ouais. En plus, elle est légèrement beaucoup mieux. Yes. Bon, faudra améliorer la dextérité, du coup. Ah, ça fait plaisir. Et du coup, je vais améliorer cette épée-là, plutôt. Ouais, ça marche. Ah, c'est chouette, ça. Ça fait plaisir. J'ai une bonne épée, comme ça. Ah, merci. C'est grâce à Albert. Alors, on va retourner au sanctuaire de Lichefeu. Peut-être qu'on aura moyen de mettre 2-3 petits points là-dedans. Dans la dextérité. Parce que là, j'avoue que ma petite épée, elle commence un peu... Voilà quoi, c'était plus très ça. Hein. C'est un truc qu'on trouve un peu au début, ça. J'ai rien d'autre à dépenser. À la limite, je pourrais peut-être vendre 2-3 trucs pour avoir des petites âmes supplémentaires. Ah. Alors, vendre... Je vais vendre épée large, épée longue. Bouf. La rapière, je la garde aussi. L'arbalète. Je la garde. Ça peut servir au cas où si j'ai plus de carreaux, je pourrais toujours utiliser l'arbalète. Les boucliers, tiens. Ça, les petits boucliers, je m'en fous. Ça aussi. La grosse porte. C'est trop lourd, je porterai jamais ça. Beaucoup trop lourd. Une armure, allez, je la vends. Non, on garde, on va dire, pour l'instant. Ça, je vends. Bague prévenant, bah ça, je dois... Je peux vendre, parce qu'en fait, si jamais tu meurs avec cette bague, si jamais t'arrives de mourir, en fait, tu conserves tes âmes. Parce que normalement, dans Dark Souls, si jamais tu meurs, bah tu perds tous tes points d'expérience et tu dois aller les ramasser que la prochaine fois quand tu sois... Voilà, la prochaine fois au respawn, tu dois aller les rechercher là où t'es mort, en fait. Mais bon, ça, je m'en fous. J'en ai pas besoin. Améliore l'absorption des dégâts quand vos PV sont... Bah, ouais, bah, limite, on pourrait peut-être la porter. Améliore l'absorption des dégâts. Ouais. Voilà, bah, on la mettra. Ashen bon. One. Il faut que je mette combien de dext pour en avoir 18. On est 18 et on est 14, donc 4 points si on peut, serait cool. Ça m'étonnerait qu'on ait assez. Very well. Then take Dext 1, 2, 3, ouais. Bon, on la garde de côté. 16, 17, 18, encore 2 points. Farewell, Ashen One. Encore 2 points et on pourrait l'avoir. Bon, du coup, on va profiter. On va faire la partie 2 de chez le campement des zombies. Moi, j'ai jamais trouvé encore de fragments d'os. Il faudrait que j'en trouve. Voyager. Alors, on était là. Après, on a fait ça. Après, il y a ça. Du coup, on va retourner ici. Et on va directement passer à la partie 2. La partie 2 de l'exploration du camp des zombies. Comme je vous avais expliqué dans l'autre épisode, il y a un moment, le camp des zombies se sépare en deux. Du coup, c'est plus rentable d'aller par là. Ah, ça fait du bien d'avoir une belle barre de vie comme ça. Ouais, ouais, doucement, Belly. Hein. Je casse ton attaque. Voilà. Merde, t'es pas mort. Putain. Au pixel près, quoi. Bon, de toute façon, on a besoin d'XP, donc... Wow, wow, wow. C'est qui? Ah, c'est toi. Ah, j'en ai foutu partout au sol en le tapant. Ouais, c'est bon. Lui, il réagit pas à chaque fois qu'on le voit, c'est bizarre. Il dit rien. Ah, on a oublié de parler au mec. Oh là! On a parlé de parler au mec pour lui dire que sa femme était morte. Bon. Prochaine fois qu'on ira au sanctuaire, on ira lui dire. J'entends quelqu'un haut, mais bon. Allez, c'est pas grave, on continue par là. Début de la nouvelle zone d'exploration. Là, tu lances des bombes, bravo. Sur son pote. Oh, t'as fini, oui.
flippant quand même. Oui, un raccourci on dirait. Ah oui, je me rappelle. Bah on va pas aller là tout de suite. Hein. Là il y a plein de gnomes avec des sarbacanes et ils vous plombent comme bosser. Non c'est horrible. C'est pas terrible. Hop. Une grande âme, yes. Ah j'ai hâte d'avoir la nouvelle épée de l'autruc. Ah. Alors toi t'as pas une grosse épée hein. Voilà. T'as le petit gnome, il a une grosse épée 10 fois plus grosse que lui. Il est malade. Voilà. Des corbecs. Bouclier rond au cas du C. Oh là là là. Quelqu'un m'a essayé de me tirer dessus. Ok, je me barre. Et le feu, il est juste en dessous le pont là. On va essayer de... Moi j'aime bien sauter par là. Ouah. Ouais, c'était une mauvaise idée. On va boire un petit coup. Putain, les enfoirés quoi. Tiens, dégage. Oh les boules, j'ai cru que j'allais tomber de la montagne quoi. Enculé. Pardon. Là j'ai flippé ma maman. Franchement. J'ai cru que j'allais tomber dans le trou quoi. T'imagines si là il n'y avait pas de portion de terre, c'est bon j'étais mort, hein, je suis tombé. Ah il y a signé un feu ici. Voilà, parfait. Ouais c'est plus court de passer par là en fait, de faire tout le tour. Donc, y a un gros méchant Billy en face. Ils sont dégueulasses ces mecs là. Et ils sont plutôt costauds en plus. Hein. Bon, ceux qui m'ont balancé des bombes, qui se dénoncent. Je sais que vous êtes là. Ah, ils sont là, regardez. Ils sont beaux, ils sont là. T'es fou, toi. Germe de feu. Yes. Et là on peut délivrer un mage de la pyromancie. Are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. Le pyromancien. A crow in his cage, as you see now. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Oui. Ah, most to read. The pleasure is mine. Allez, on le libère comme ça. Voilà. Il sera à la maison. Il sera avec nous. Ah, il a pété tous les tonneaux explosifs. Waouh, enculé. Ah ouais. Tu joues à ça? Bah moi, on va jouer à ça si tu veux. On va te faire un pourri de shot. Voilà, t'es mort. Oups. Bon, j'ai tiré une flèche en plus. Et là, juste en dessous le pont, il y a une grosse bestiole toute moche. Une bombe à sondir, yes. Du coup, le but, ce serait de... Enfin, normalement, il y a plein de tonneaux explosifs. Le but, c'est d'essayer de l'amener à côté des tonneaux pour le faire exploser avec les tonneaux. On va essayer, mais je promets rien. On peut pas lui tomber dessus. Vous voyez, là, lui. Avec son gros pot de chambre dégueulasse. Je pense qu'il va me voir. Ouh, on lui a fait mal. On recule. On recule. Vas-y, lance ton pot de merde, là. Voilà. Oh, il y a que de la... des trucs dégueulasses dans son pot.
Bon bah ça a marché comme ça aussi. C'est une technique qui assure aussi, c'est pas mal. Parfois je regarde dans les arbres, parfois il y a des cadavres avec du stuff dedans. Forcément des beaux engins de torture, comme on aime. Et là, un monsieur désespéré. On va lui faire Zeus, Us, Spartiate. Ah, j'ai raté. Bon, on va essayer. Mais, je peux pas le bastop. Bon bah, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. Elle tombe. Il s'accroche à la bouche. Non, je ne chambrerai pas. Moi, j'ai pas envie de trop pousser parce que j'ai pas envie de tomber. J'aurais un peu peur. Voilà. Et là vous voyez, il y a le géant de la tour là. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une grosse bestiole dans la tour. Et en fait lui il vous allume depuis sa tour quand vous allez passer le cimetière. Mais une petite technique, c'est que si jamais tu montes en haut de la tour, tu vas lui parler, on fait la paix, comme ça il va pas te viser. Comme ça il va tirer que sur les zombies, mais toi il te laissera tranquille. Donc c'est bon à savoir aussi. Vous voyez, rien de personnel, c'est juste pour faire de l'XP. Je dis pas non contre 50, je crois. Ah non, ça rapporte pas du tout d'XP. Ah bah désolé, je vous tue pour rien depuis tout à l'heure. C'était inutile. Ah, ici, il faut faire gaffe, parce que je me rappelle qu'il y avait un petit piège. Regardez, il y a un petit Billy caché là. On le voit un petit peu, on voit son morceau de chapeau dépasser. Voilà, je savais que t'étais là. On va se battre dans un endroit bien comme il faut. Voilà. Une grande âme, yes. Déjà ça. Alors. Du coup. On va libérer un passage secret, donc là c'est l'endroit où il y aura le boss. On n'ira pas tout de suite, parce qu'il faut que je fasse le tour, faut que je passe par le cimetière. Mais je vais d'abord aller voir le géant de la tour, pour lui faire la paix, comme ça il me laissera tranquille. Là il y a un chien dégueulasse. Dégueulasse. On peut sauter. Ouais, ça craint pas. Yep. Vas-y, je fais un peu mal. Comme ça. J'ai rien dit, j'ai cru voir un truc. On va récupérer ce qu'il y a ici vite fait. Une braise. Je déteste les mecs avec les peaux là, ils sont tellement chiants. Ils te balancent leur peau à distance parfois, ça fait tellement mal. Du coup on va libérer... Ouah, chien. Aïe. 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 Touché. On va libérer un passage secret. Enfin, passage secret, un raccourci plutôt. C'est pas un passage secret. Un petit raccourci. Ouh, des rats. Bon, ça va, ils sont pas très très... Faut juste faire attention, quoi. Je sais pas, je crois qu'ils peuvent t'empoisonner, quand même. Inceste. Et là, regardez. Cette chose immonde qui va apparaître. On va jeter une bombe. Allez, venez les rats. Ça fera toujours ça au moins. Aïe. Ça s'ouvre pas? Ah si. Non, c'est verrouillé. Ah, c'est la maman. Ça la matrée. Aïe 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 aïe. Merde. Saleté. Ah il est dégueulasse. Dégueulasse. Oh putain, il y a un rat qui fait le grand écart là. C'est Jean-Claude Van Damme ce rat. Bon, on passe les brutes de Silent Hill là. Pour passer ici. Pour débloquer un raccourci. Voilà. Mais là, il n'y a rien ici, je crois. Non.
Comme ça, de ce feu-là, on pourra passer par les égouts, si jamais on a envie de passer de l'autre côté. Ah, j'avais un compte à régler, je devais ramasser ce truc. Oula. On va se méfier de ce machin, là. Ah, il m'a vu. Est-ce que tu viens? Ah, il arrive. Bon, on va cesser de le faire, mais bon. Aïe aïe aïe, c'est vrai qu'ils font mal. Ah, ils ont une sacrée portée. Vas-y, énerve-toi tout seul. J'ai perdu. Les mecs, ils portent quand même leur table de torture sur leur dos, quoi. Font bien leur travail, hein, c'est rien à dire. Du coup, je crois que la petite bestiole a dû se barrer entre temps. Bah ouais, elle a eu peur. Tu m'étonnes qu'elle a eu peur. Bon, allez, nouvel objectif, on va aller parler au gardien de la tour. Et je pense qu'on se laissera en haut, parce que je pense que ça fait déjà une bonne vidéo déjà. Plus la séance de farming, ça faisait déjà un petit moment qu'on jouait. Donc on va aller voir ça. Ah, je suis content quand même d'avoir bien eu... On a bien avancé quand même, je trouve. Hein. On a bien avancé. Après, je sais pas s'il y a un endroit où on peut voir le quota de mort ou des trucs comme ça, parce que bon... Je voudrais pas que des mauvaises langues disent oui, machin truc et tout, mais je sais pas si on peut montrer dans les options si, combien de fois on est mort, des trucs comme ça, parce que... Ça pourrait être pas mal. Alors là, je crois que je vais plutôt courir en ligne droite. Et ouais, je pense qu'au bout d'un moment, parce que là, ils sont trop nombreux, ces mecs-là, je les aime pas beaucoup. Allez, on va courir, on va pas s'arrêter. Voilà, on s'arrête pas. On zigzague comme un petit peu. Allez, allez, bande de cons. Allez. Toi t'es intelligent. Il est intelligent. Bon, ça en fait que un au moins, on va voir. Ah lui il insiste avec cette attaque. Hein. Espèce d'enfoiré. Je déteste les mecs quand tu les tues qu'il y aura un pixel et qu'ils t'enchaînent comme ça. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. If like the others you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Ok. Et là je crois qu'il y a une petite demoiselle en détresse. Ouais, on ira la sauver plus tard. Il nous faut la clé. Très bien, allez, allons parler à ce géant. Putain, c'est lourd. C'est bon. Et là le meilleur joueur du monde, le chevalier. C'est plaisir de le revoir lui, je l'aime bien. Oui, c'est moi. Pardon me, I was absorbed in thought.
I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up, and that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Bien, alors là j'ai une petite astuce pour monter, je crois, c'est... Attends, je fais ça... Ça là... Ça va faire monter... Enfin, ça va faire venir un autre ascenseur. Et l'autre ascenseur va te faire monter en haut après. Voilà, comme ça. Comme ça on peut aller parler au géant. Oui. Le géant qui est ici. Âme de soldat anonyme. Comme ça on va pouvoir lui parler et il va pas nous tirer dessus la prochaine fois. Comme ça on est copain camarade. Voilà. Who are you? Qui êtes-vous? I help anytime. Voilà. Du coup lui, il va plomber quand on va passer par là, il va pouvoir nous aider, donc ça va être génial. Ça va être un bon pote. Il n'y a rien autour, si je me rappelle bien, je sais plus. Du coup, je crois qu'on en a fini avec la zone des zombies. Il restera que le petit cimetière à faire, et après on pourra commencer à se taper le boss. Quoique, il y a une autre zone après qu'on peut faire avec le chevalier oignon aussi. Attendez, je regarde, parce que je crois qu'il y a un item ici à ramasser. Ah, il est là. Bon, on repassera le voir tout à l'heure. Là j'ai juste bien envie d'aller au sanctuaire dépenser mes points. Et quoique, est-ce qu'on fait le truc avec le chevalier? Ouais mais il n'y a pas de feu, j'ai envie de faire le rationnement. Je vais faire je vais prendre des potions de soin quand même parce que j'en ai presque plus. Du coup on va retourner au feu. Allez, on peut claquer un os quand même, sanctuaire de l'échefeu. Hop. Parce que là, il y a un petit combat quand même qui s'annonce, je vous dis rien, comme ça vous verrez bien. Mais il vaut mieux être prêt. Comme ça, on va utiliser les dernières âmes qu'on a pu ramasser. On a... Oh, on aura peut-être assez pour se faire les points. Ah, pardon. Hop, et je pense que ce sera pas mal déjà pour cette vidéo. On aura déjà fait pas mal de petites choses. Alors, on utilise les âmes. Encore et toujours les âmes. Encore. Non, ça on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a ramassé des armes, des trucs qu'on peut vendre? Ouais, le bouclier, le ceste. Je me suis renseigné un petit peu une période sur le ceste et c'est plutôt cool. Hein. Ah, tu peux enchaîner et faire des gros dégâts avec ce truc, mais bon. C'est pas trop mon style de d'arme non plus, j'aime pas trop. Alors on a ça, on va vendre du coup la hache. La rapière j'aime bien, mais à la limite je suis pas très très bon. C'est juste pour le style on va dire que j'aime bien l'utiliser, mais après je suis pas hyper fort avec. Hein. C'est classe, hein. Bon ça je vais vendre au final. Hein. Alors, on a des bagues... Améliore les attaques de feu mais réduit la défense. Pas trop mon truc ça. Améliore la résistance au saignement. Bon on va la mettre cette bague. Ashen One. Ah tiens, on va profiter de parler vite fait pour lui dire la mauvaise nouvelle. Oh hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need. Speak, just don't ask me where I got them. Alors, il a quoi déjà lui? Des quais... Épée bâtarde, c'est pas mal ça, mais c'est un truc assez lourd ça quand même, ouais. Je préfère les épées qui tapent un peu plus rapidement. Une armure... Des flèches... Ouais, t'as des trucs sympas.
Tiens, je te donne l'os. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As... well... a little trinket of thanks, I suppose. Ok. Bon, désolé pour goodbye. Ça. Goodbye. And stay safe. Ok, alors... toc, ça c'est fait. On n'a plus qu'à mettre nos points, je pense. On a tout ce qu'il faut. Ah oui, je voulais mettre la bague quand même. Pour résister au saignement. Améliore l'absorption des dégâts quand vos PV sont bas. Bah, ok, ça c'est bien aussi, hein. On va pas se priver. Mais ça par contre j'ai pas envie de mettre. Hein, améliore les attaques de feu mais réduit la défense. Nope. Tac, on parle à la petite dame. Welcome home, I should speak very well. Then touch take no. Je crois qu'il restait 2 points à mettre en dextérité pour arriver à 18. Pile poil. Bah voilà, comme ça on finit la vidéo pile comme il faut. Voilà. Farewell, Ashen One. Et on va pouvoir utiliser cette épée. L'épée de Lothric. Une bonne épée. Là voilà. Cool. Attends, comparer. Non, c'est avec R. Bah là taper en fait je viens de vous remarquer elle tapait un peu plus fort en fait. Mais bon, elle est plus courte. Celle-là est légèrement plus lourde. Elle fait des dégâts de critique de sang. Magie. 35. 19. Ouais bah je préfère améliorer quand même celle-là et en plus elle est plus stylée. Elle est belle. Ok. Comme ça on pourra l'améliorer. Mais c'est une belle épée, il y a plus de portée en plus, on tapera beaucoup plus loin. C'est quoi son truc spécial? Casser la parade et... c'est cool, c'est ce genre de truc que j'aime bien. Que j'utilise rarement mais j'aime bien les avoir. Très bien. Peut-être qu'il y a moyen d'améliorer juste un petit coup. On va voir. Et après on se casse. Ah, it is good. What needs? Renforcer armes. Ah bon, on peut améliorer peut-être un coup, allez. Un coup, deux coups, voilà, parfait. Pretty, be careful. Bah, du coup, maintenant, elle fait beaucoup plus mal, là. 123 plus 26... Ouais, bah maintenant, c'est... elle est puissante. Elle pourrait que être beaucoup plus puissante en l'améliorant encore avec le temps. Très bien, allez, sur ce, les gens, on se laisse. Désolé, c'était un petit peu de farming au début. Il y aurait un petit peu d'adrénaline avec 2-3 trucs qu'on a fait. Mais bon, c'était cool. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous.